Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Grand Prix d'Europe 2006 sur le circuit du Nürburgring. On va essayer, comme d'habitude, de faire une course dans les points, même si ça va être compliqué. Surtout avec cette chicane de fin qui est vraiment super dure à prendre. Donc c'est parti pour la séance de qualification. Nous nous retrouvons au Nürburgring pour les qualifications du samedi. Elles devraient être, comme toujours, pleines de rebondissements. Alors passons tout de suite à la première séance. J'espère qu'il ne pleuvra pas par contre. Voilà Scott Speed qui quitte Calais d'Estaing dans ce début de première séance. Alors en essai, on a fait le 10e temps. Donc ça veut dire qu'on a la possibilité de tenter la Q3. Reste à voir maintenant. Si en qualification, les temps vont pas être bien meilleurs pour les IA aussi. C'est de faire énormément de réglages pour pouvoir bien prendre la chicane que je vais vous montrer après. Après, si vous avez suivi la saison 1, vous savez de quelle chicane je parle. Cette chicane là, voilà, je vais pouvoir maintenant que ça passe beaucoup mieux. Ce qui est quand même une énorme avancée pour pouvoir s'en sortir par la suite, surtout en course. Ça sera à voir avec l'usure des pneus, bien sûr. Allez, c'est parti pour un premier tour chrono. On sera pas gêné. On va prendre un peu d'aspiration. Eh ben non, oh putain. J'ai envie de passer à l'extérieur, mais. Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Giancarlo Fisichella, Kimi Raikkonen. Ah, j'aurais dû essayer d'assurer un tour parce que j'étais quand même remonté sur. Oh là, par contre, là ça commence bien, je vais avoir aucune marge. On a du beau monde derrière. On est quand même nettement plus stable que la Midland, mais je vous avoue qu'en début d'essai, c'était le même problème.
monter sur le Williams. Bon, avec un peu de chance. Jenson Button boucle son tour complet. Il sera si j'ai un peu de chance pour qu'il y ait une flaque d'huile devant nous. Sorti ici. Alors, je suis mort en 29-3. Michael Schumacher achève un tour complet. Il ne doit pas être content. Sa voiture n'a pas cessé de balayer toute la largeur de la piste. Giancarlo Fisichella termine son tour complet. Cela m'étonnerait qu'il se vante de ce temps. Il va plutôt chercher à l'oublier. Putain! Non, 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 non. Putain, je suis 17ème à cause de ça. Et en plus j'ai la Ferrari derrière histoire de continuer dans la malchance. Personne devant moi cette fois-ci. Christian Albert se réalise un nouveau temps. Allez, on va se sauver peut-être maintenant. Yes! Il a obtenu ici un très beau chrono. Ouf! Sixième temps en plus, et c'est pas mal. Nous poursuivrons dans quelques instants par la deuxième séance qui décidera. Et on a fait le sixième temps, du coup, on a passé la Q3. Ça s'est joué à 30 secondes. Hein. La deuxième séance va commencer. Elle va déterminer les positions 11 à 16. Allez, c'est parti. Les places 17 à 22 ont été attribuées pendant la première séance. Bon, sixième temps, ça veut dire que c'est faisable. Sauf que j'ai pas fait un temps exceptionnel. Oh, on est plutôt bien placé pour le moment. À voir maintenant en Q2 si on peut sortir un bon chrono aussi. Ce qui me fait extrêmement peur, c'est le freinage à la chicane, comme on a pris la Williams tout à l'heure. Personne devant nous, faut en profiter.
évidemment. On va avoir quelqu'un devant nous pour nous ennuyer. Voilà. J'ai jamais de chance, je crois, en qualification. Ce jeu, c'est vraiment incroyable. Bon, c'est une Renault, hein, ça aurait pu être pire, mais... Bon, c'est encore le problème de l'inspiration, je dirais pas non. On s'est déjà fixé un temps normal. On l'intégrera après. Ah, je suis nul. Une relance pourrie dans la, dans l'épingle. Le problème c'est que j'ai pas de test de pointe, ça va être vraiment être mon problème dans la course. Ça dépendra contre qui on sera, mais... Allez, on va finir le tour. C'est une Ferrari qu'on a derrière. Allez, une 30.4, c'est correct, ça va. Maintenant il va falloir attaquer. Nico Rosberg réalise un nouveau chrono. 29.9 Rosberg, ou c'est pas bon ça. Bon là on fait mieux en relance que tout à l'heure. J'avais pas eu énormément de temps dans le... cette zone là. Jenson Button boucle son tour complet. C'est pas mal aussi. Ouais, 6 dixièmes de mieux, c'est bien. Minum en 31 Weber, 31.6. Rubens Barrichello termine son tour complet. Il doit être furieux. Sa voiture n'a pas cessé de baloter. Ah, je pense qu'on fait un meilleur temps. Yes, 29.3, on est 4ème, c'est bon ça. David Coulthard, Jacques Villeneuve. Allez, j'entends un dernier petit tour. Kimi Räikkönen sont tous sur le circuit. J'ai pas beaucoup d'essence, donc c'est parfait. Je me sentais extrêmement large en ce virage, il me dit rien, donc j'en profite un peu quand David même. David Coulthard achève son tour complet. Schumacher obtient un nouveau temps de qualification. On avance pour le moment. Christian Klien obtient un chrono. Bon, après, on sera beaucoup plus chargé pendant la course, donc il faut faire gaffe quand même à l'essence. Felipe Massa termine un tour rapide. Massa en 28, hein. Énorme. On est en retard pour le moment. Je vais regarder la chicane si on peut l'améliorer un peu. Juan Pablo Montoya obtient un temps de qualification. Revenir au garage. Son tour complet. Alors on est 7ème. Ouh, c'est très serré derrière hein, sur le classement. Felipe Massa, Nico Rosberg, David ouais, 29.3, 29.7, 29.9. Et après c'est en 30. Bon, on va faire retour. Je pense qu'on est pas. On peut passer. Je vais quitter la séance. Allez, on croise les doigts. Nous allons passer à la troisième séance dans quelques instants. Eh ben Q3, écoutez, on a réussi le deuxième objectif.
Et Villeneuve étant une 37, donc ouais, on est bon par rapport en Ils tout cas à mon étaient équipier. 22, puis seulement 16, ils ne sont plus que 10 à la fin de cette séance. Nous saurons qui tiendra la pole et comment se répartissent les places restantes. Bon, là le problème c'est que c'est le mode où on va écumer du temps. Parce qu'on va avoir 20 minutes à peu près de chrono. Donc ce que je vous propose, moi je vais faire une pause d'enregistrement, on se retrouve à la fin de cette séance. Alors on se retrouve pour la fin de la séance. Pour le moment on est 9ème. Même si j'ai encore beaucoup d'essence, hein. J'ai fait une erreur en tout début de relais. Cool de l'essence, très écologique, mais bon, à l'époque c'était comme ça. En retard. Bon, bah il va nous rester un ou deux tours malheureusement pour essayer de faire mieux. Le problème c'est que j'ai mes gommes qui ont commencé à être un peu usées. Ils ont 29-1, on est en 30 et quelques. Ça, c'est vraiment l'essence qui fait ça. Hein. Nico Rosberg tourne tout ce moment où je vous parle. Les résultats devraient tomber l'un après l'autre au fil de cette séance. À l'intérieur, on va faire le maximum de vitesse ici. Allez, petite amélioration. Je pense qu'on va être pas mal là. Ouh, 29-5, 6ème temps. Jenson Button boucle son tour complet. Cela devrait le ravir autant que son écurie. Pile le même temps dans le premier secteur.
A voir si je peux être aidé par le fait d'avoir un tour de moins d'essence. Encore en pile le même temps. Ah non, j'ai raté la chicane malheureusement. Du coup c'est fichu, on va rentrer au stand. Moi je puisse... je puisse coter. Bon, bah écoutez... Trop difficile, hein. On avait un peu plus d'essence par rapport aux autres puisque je m'étais planté à un moment et que du coup les 5-6 minutes perdues, bah, on brûle pas d'essence, donc ça fait 5 tours, enfin 3-4 tours de plus d'essence que les autres. Déçu de ce tour. On va faire quitter la séance. Les jeux sont faits. De la 10e place. Et du coup le classement des qualifications. Fisichella va partir en tête devant Schumacher, Alonso, Montoya, Massa, Barrichello, nous-mêmes, Button, Raikkonen, Rosberg, donc ça va être compliqué, j'espère qu'on va pas faire de bêtises ce Grand Prix. J'espère qu'il va pas pleuvoir, parce que là on est dans le top 8, il y a des points à prendre, hein, vraiment. Donc j'espère que ça va bien se passer, de toute façon, il y a une chance sur... voilà, il y a 30% de chances que ça se passe bien. Moi coéquipier 16ème, Speed 17, genre un peu les anciens, ouais, 18 et 22ème pour le moment les Midland. Ok, bah écoutez, c'est parti, on va se retrouver là-dessus. Surtout, restez avec nous, montez le son et régalez-vous, on y va. Allez, c'est parti. Ah, j'ai une bonne impulsion, ça c'est déjà cool. Fisichella a pris un super départ. Alonso a raté son départ. Ils sont au coude à coude à l'approche du premier virage. Michael Schumacher sort du virage 1, le premier. Giancarlo Fisichella n'est pas loin derrière. Derrière lui, Juan Pablo Montoya. Mais c'est pas la fin du monde, pas encore. Pense positif et tu reprendras bien. Wow, ouais, attention, il y a une McLaren qui m'a touché. Attends, on va essayer de rester dans ce groupe là. Il y a 12 tours à faire. Il va falloir tenir 12 tours comme ça. Trajectoire pour le moment, je suis un peu influencé par les voitures de devant. J'ai encore fait une erreur. Ah, c'est pas vrai. Allez, on se reconcentre, ça va pas du tout.
Oh là, je fais n'importe quoi, c'est impressionnant. En déconnant en course, là, il n'y a plus personne, quoi. À quel point j'ai vraiment raté mes premiers tours. Position physique est là. En troisième, Juan Pablo Montoya. Quatrième, Alonso. Felipe Massa, cinquième. Il est parti sixième. Barrichello, sixième. À la septième place, Button. Concentration. Et Hedfeld est à la huitième place. Super temps dans la première portion. Ne te relâche pas. On va essayer de recoller Barrichello Button, mais ça va être difficile. Bon, en tout cas, j'ai réussi à décoller un peu trop lisse, ça c'est la bonne nouvelle. Allez, Button à une seconde. J'arrive pas à la prendre cette chicane, c'est impressionnant, j'ai l'impression d'avoir plus de difficultés en course. En plus, j'ai vraiment très peur au niveau des pneus en fin de course. Je pense qu'ils vont commencer à être pas mal usés et j'ai peur que ça soit difficile. Voici le classement des 8 premiers. Attends, je reste dans le top 8, je suis dans les points, hein, c'est juste ça. Physique est là. En troisième, Juan Pablo Montoya. Quatrième, Alonso. Felipe Massa, cinquième. Barrichello, sixième. À la septième place, Button. Et Hedfeld est à la huitième place. Tu te débrouilles bien, c'est le meilleur temps que tu as obtenu dans la première portion. Une seconde 5 maintenant avec Button. Chaque fois ici, ouais, je suis très très large. J'espère que je suis en pneu dur, mais pas en pneu tendre. Allez, très très bon dans les secteurs, ça fait plaisir. Magnifique dernière portion, la plus rapide jusqu'ici. Il
Il y a l'huile quelque part, je sais pas où elle est. Ok, elle est là. Ah, ça m'a totalement déconcentré l'huile, hein. Le temps de la chercher. Ça m'a fait sortir la trajectoire. Alors évidemment, il peut y avoir un abandon devant moi, hein, c'est, ça reste possible. J'espère qu'il y aura un truc. Vous informez que la température descend depuis deux tours. Si ça continue, il se pourrait bien que les pneus perdent un peu de pression. Qu'il a fonce autant qu'il sait. Ce chrono était de 1:28.84. Ça va, j'ai réussi à bien faire le dernier secteur en gros, ça me permet de remonter légèrement sur le button, j'avais perdu un peu de temps pour le secteur. Maintenant à 2 secondes 6. Et voici le top 8. Schumacher mène la danse. En deuxième position, Fisichella. En troisième, Juan Pablo Montoya. Quatrième, Alonso. Felipe Massa, 5e. Barrichello, 6e. À la 7e place, Button. Et Hetfeld est à la 8e place. Superbe première portion. C'est ton meilleur temps jusqu'ici. On a 6 tours, on a fait la mi-course déjà. Voiture est stable pour le moment. Deuxième portion, 2 dixièmes de mieux. Ah, mais j'aime bien en mettant, mais les Honda devant aussi. Hein. C'est un bon temps pour Michael Schumacher, son meilleur tour jusqu'ici. Il vient de tourner en 1:29.5. Il commence à distancer Giancarlo Fisichella. L'écart est maintenant d'une seconde. Seconde 7 avec Button. Nous en sommes aux 2/3 de la course. Schumacher mène la danse. C'est difficile d'aller chercher les Honda. Position Fisichella. En troisième, quand même un rythme Pablo très très rapide. Quatrième, Alonso. Felipe Massa, 5e. Barrichello est 6e. À la 7e place, Button. Et Hetfeld est à la 8e place. Super temps dans la première portion, ne te relâche pas. Ouais, j'ai fait un peu mieux. Mais on est quand même à 2 secondes 2 de bar Honda. À des Honda. Je crois que ça plaisait déjà plus bas en 2006. Elles aussi. Le pilotage de Schumacher est destiné à mettre la pression. Il vient de tourner en 1:29.2. Son avance sur Giancarlo Fisichella devient appréciable. L'écart a augmenté. Allez, on a 5 tours, 4 tours à faire. Alors que nous sommes aux 3/4 de ce Grand Prix, Schumacher mène la danse. En deuxième position, Fisichella. En troisième, Juan Pablo Montoya. Quatrième, Alonso. Felipe Massa, 5e. Barrichello, 6e. À la 7e place, Button. Et Hetfeld est à la 8e place. Bien, c'est ton meilleur temps dans la première portion. Une seconde, j'ai réussi à recoller un peu sur Button.
Enfin, je dis recoller, c'est très léger. Fisichella a réussi à réduire un peu l'écart, mais la course est bientôt terminée, alors il ferait bien de passer à l'action. Schumacher pourrait bien être en danger. L'écart dépasse à peine une seconde et un dixième. Alors les commentateurs sont bons, hein, les deux. Mais par contre, j'aime pas du tout la voix du commentateur. Je sais pas, je sais pas que c'est qui commente. Mais j'aurais tellement préféré avoir un commentateur connu. Alors qu'on entame les derniers tours. Enfin, moi qu'il soit connu dans un autre pays, hein, mais... En deuxième position, Fisichella. En troisième, Juan Pablo Montoya. Ce sont un pilote, je reconnais pas la voix. Fisichella n'a pas l'intention d'en rester là. Il commence à attaquer. Il se rapproche lentement. L'écart a encore diminué d'un dixième de seconde. Schumacher sait qu'il doit réagir et c'est bien ce qu'il est en train de faire. Une seconde et deux dixièmes séparent maintenant nos deux pilotes. Ah, je pense que je reviens un peu, une seconde six. En tout cas, maintenir le rythme des BR, c'est quand même une très bonne, une bonne performance quand même. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. On est passé sous la seconde, alors évidemment il n'y a pas de DRS. Schumacher mène la danse. Mais c'est bien. En deuxième position, Fisichella. En troisième, Juan Pablo Montoya. Quatrième, Alonso. Felipe Massa, cinquième. Barrichello, sixième. Michael Schumacher est le plus rapide sur cette première portion. Il y a maintenant une seconde, trois d'écart. Deux tours. Michael Schumacher prend une avance confortable. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Tu viens de faire ton meilleur temps dans la deuxième portion. Ok, 0,9 toujours. C'est le dernier tour de la course pour le meneur Michael Schumacher. Deuxième derrière lui, on trouve Fisichella. C'est avec beaucoup de classe que Michael Schumacher arrive au terme de ce tour. Allez, c'est le dernier tour. Alors que nous entamons le dernier tour de ce Grand Prix, Fisichella se donne à fond pour gagner une place avant de franchir la ligne d'arrivée. La course n'est pas encore terminée. Michael Schumacher prend une avance confortable. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Super temps dans la première portion. Ne te relâche pas. Il y a un peu d'aspiration, on est un peu loin, mais il y en a quand même un petit peu. Ah non! Allez, je perds un peu de temps. Fisichella n'a pas l'intention d'en rester là. Il commence à attaquer. Il a encore réduit l'écart d'un dixième de seconde. Ah non, ça va être trop juste. Ça va être trop juste. On a 0,9 pareil, mais. Terminera lui deuxième.
Ah, mais c'est dommage, j'en étais juste derrière. Oula. Bon. Ouf. Je suis content, putain, la vache, on a terminé au moins dans les points. Bon, un petit point. On n'a pas eu de bol au niveau des abandons devant nous, hein, il s'est rien passé. Mais je pense franchement hein, que c'est la course où j'ai été le plus constant de toutes les saisons qu'on a faites, c'est-à-dire une et demie en gros. Ouais. Franchement, plutôt satisfait de la course, c'était difficile, mais le petit point. Le week-end a été riche en émotions ici au Nürburgring. Je pense que j'aurais pas dans le gravier dans l'épingle. J'étais vraiment en position pour dépasser le top. J'ai passé un excellent moment. Alors du coup, Chantal Kiki finit 16e, donc on peut sentir que tous les objectifs sont remplis pour cette course, ça faisait longtemps. Schumacher toujours en tête de championnat devant Massa, oh, les Ferrari qui dominent complètement, Fisichella, Montoya, Alonso qui passe devant Barrichello. De notre côté, nous on est loin, hein, je crois qu'on a 3 points. Bon, on est 10e, t'as manqué un point. Hein. Voilà, et au niveau constructeur, on passe devant Red Bull, ça c'est la bonne nouvelle. Donc on est 6ème maintenant au championnat. En vrai, il faudrait qu'on termine dans le top 6. Hein. Je pense que ce serait un bon résultat. Et top 5 encore mieux. Mais bon, on va se calmer pour le moment. Il va y avoir d'autres courses encore plus difficiles. Donc voilà. Bon, bah écoutez, mission accomplished. Comme on dirait dans Air Combat. Ça sera le prochain Grand Prix. Ça sera le Grand Prix d'Espagne. Et je pense qu'on pourrait faire un truc pas mal en Espagne. Il me semble qu'avec la Midland, on avait réussi un truc correct. Donc on verra. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la suite en Espagne. Ciao tout le monde.